Salut tout le monde, c'est Benji. Cette semaine, on va aller voir dans la Flow Hive si la reine qu'on a introduite la semaine passée a été acceptée. Bon visionnement à tous. Donc, on va aller voir dans la chambre à couvert si la reine a été accepté. Regardez si on a des œufs. Rien à date. Donc la reine était dans une cagette ici, dans les cadres du milieu. Et elle a été acceptée. Je vois des larves, je vois des œufs. Super! Oui, des larves, des œufs, il y a de la ponte, il y a de la relève dans cette ruche-là. Quelle merveilleuse nouvelle, la reine a été acceptée. On va retirer la cagette. Comme vous pouvez voir, la cagette, il y avait un candy ici. Donc, il y avait du candy ici. Puis, c'est complètement mangé. La reine s'est échappée, mais je sais qu'ils l'ont accepté parce qu'il y a des œufs. Donc, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont accepté. Donc, ça va faire du bien à cette colonie-là parce qu'il n'y avait plus de relève. Ah, il y a plein de beaux œufs ici. Du couvain, elle s'est mise à l'œuvre immédiatement. Beaucoup de bébés abeilles, beaucoup d'œufs. Wow! Oh, wow! Regardez ça! Tous ces beaux bébés abeilles operculés, donc avec un capuchon de cire dessus, donc sont prêts à naître, c'est la relève, là. C'est la relève pour cette ruche-là, là. C'est plein. Wow! De ce côté-ci, c'est plein d'œufs. J'adore! Donc, on a une bonne reine dans la Flow Hive encore. Donc, la semaine passée, je les avais limités à une chambre à couvain. Cette semaine, je vais rajouter la deuxième chambre à couvain.
Donc, je lui mets une deuxième chambre à couvain pratiquement vide pour permettre à la reine d'avoir plus de place pour pondre. Elle continue son beau travail. On remet la grille à reine. Et voilà. Puis, on va remettre nos hautes à miel. Qui, soi-disant, sont très pleines. Donc, aucun doute que cette colonie-là va fournir énormément de miel cette année. Reste à vérifier mon piège à PCR, petit coléoptère de la ruche. Il est soi-disant tout à fait collé ici. Et je n'ai absolument rien dans mon piège. On va changer, d'en mettre un œuf pour les changer à tous les deux semaines. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Venez me voir sur mon site web www.benchy001.ca. À la prochaine!